Les gars, il va faire le Indie Flip sur le gap. Salut tout le monde, c'est Camille Scooter, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, on est avec Shérif Kaelish. Et comme vous avez vu dans le titre, les gars, on va aller faire une session, un Narbonne en street. Donc, c'est-à-dire dans la ville. On va essayer de chercher des spots. Et comme vous avez vu dans le titre, on a un spot en tête là. On a un spot qu'on a vu. Et je veux trop faire backflip dessus. Donc, en fait, backflip gap, genre en street. Donc, ça va être la première fois que je vais faire un backflip en drop et en street. Je suis grave déter pour le faire. Il y a pas que ça, les gars, aussi. Il y a Shérif, il veut faire Indie Flip. Indie Flip. Indie Flip. C'est quoi Indie Flip, Shérif? Je vous mets une vidéo là maintenant. Voilà, donc vous avez compris, le Indie Flip, en fait, tu prends ta trotte, tu la fais venir vers le haut, et bam, tu viens faire un front flip, tu récupères ta trotte, et t'atterris sur le sol. Enfin, voilà, vous avez capté. Donc, nous, on va faire une petite session, là, on va aller en ville, on va aller au spot, et on va se faire le backflip drop pour moi, et le Indie Flip avec Shérif. Et les gars, ce que je vous propose, c'est que, avant que la vidéo commence, s'il y a 1500 likes sur la vidéo, les gars, je fais Indie Flip, oui. Ah, il a annoncé les gars, moi je dis ça, je dis rien. 1500 likes sur la vidéo les gars, il fait Indie Flip Whip, enfin au moins il essaye. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas fait, ça fait extrêmement plaisir et ça se tient de ouf. Et mettez-moi en commentaire tout ce que vous voulez, de toute façon moi je réponds à tous les commentaires sur les vidéos tout le temps. N'hésitez pas à passer sur le site internet aussi, vous avez capté la marque de vêtements, il y a les pulls encore, il y en a encore plein disponibles. Vous pouvez passer, vous avez le lien camiscooters.com. Et donc nous, on va se retrouver en street. C'est parti pour le backflip et le Indie Flip. Let's go! Shérif, toi tu te sens comment là? Pour moi ça va passer en 2-3 tries. Mais toi, faire ça, ça peut passer, mec. Ouais, moi je pense aussi. Moi franchement, je pense que je me suis vraiment bien préparé pour cette vidéo. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait une pause de vidéo, j'ai fait une pause de trot. Je me suis vraiment préparé psychologiquement, tu vois, à faire le backdrop et tout. Ça fait longtemps que j'y pense. Et là, moi je pense que je me suis tellement entraîné, je pense que je vais mettre first try. Donc vas-y, les gars, on se retrouve là, on va se retrouver dehors. On va faire quelques petits tricks et restez bien jusqu'à la fin des vidéos. Là, on va partir sur le backdrop. C'est parti. Bon. Ok les gars, du coup là c'est bon, on est sorti de l'appart, on va aller en route vers le spot. Mais juste avant les gars, j'ai besoin de vous en fait. Vous allez mettre en commentaire quelle trot vous préférez, soit la trot de Shérif, soit la mienne. Donc en gros je vais vous montrer. Shérif, il a une barre chili titane, un collier blunt noir, un deck chili or, éthique légion et des roues éthiques 100 mm, tac en noir. Et moi, bon les gars, je sais, vous me le dites souvent, mais je fais que changer de trot. Shérif, est-ce que tu peux confirmer cette mec? Je change de trot gros, genre tous les jours mec, je change de trot. Bon là aujourd'hui du coup, exprès pour la vidéo, j'ai mis ma petite barre Apex, le collier néochrome blunt, le deck Apex personnalisé avec le hashtag ride forfait, les trous dessus, les roues ninja néochrome et la fourche Aztec Hydra. Donc les gars, vous nous dites hein, soit la trotte de Shérif, soit la mienne. Shérif, en pense quoi toi? Bah moi je préfère ma trotte hein. Moi je peux pas approuver ce que tu dis, moi je pense que la mienne est largement mieux. Bon allez, bon, les gars, on se retrouve sur le spot dans 2 secondes. Les gars, là, on arrive tout proche du spot. Shérif, tu sens le spot venir là? Là, il est pas loin, là, les gars, là, il est là. Le stress commence à se faire ressentir, Shérif. Shérif, toi, tu te sens stressé ou pas? Ouais, ça va, hein. Moi, les gars, la vérité, en vrai, je suis pas stressé. Je suis confiant de ouf. Et on se trouve sur le spot là, on est à 100 mètres, les gars. Je vais vous montrer, là, on est à 100 mètres. Ok, donc les gars, on arrive sur le spot qui est juste là. Tac. Et voilà. Donc, les gars, je vais faire backdrop, genre là, comme ça, tac. Et c'est parti hein. Je pense qu'on fait des petits tricks pour s'échauffer. On s'échauffe. Ensuite on fait le backdrop. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars. Là on s'échauffe. Et après il y a le back et le Indie Flip de Shérif les gars. Le front flip. Enfin le Indie Flip, t'as capté. Donc c'est parti les gars. Maintenant échauffement. Attendez les gars. On a été rejoints par les deux narbonnés Raph Scooters en personne et Mowgli Scooters en personne. Donc ils vont faire des tricks avec nous les gars. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les gars, je vous ai dit, moi je fais le back et Shérif il fait le Indie Flip les gars. On parle pas chinois nous. Voilà. Whip rewind. Oh, c'est bon. What?
Yo! Bon les gars, c'est fini pour la partie tricks d'échauffement là, tout ça là, c'est fini. Donc maintenant les gars, on va passer à moi qui va faire le backflip juste ici. Maintenant, là, ça va être tout de suite. Je vais mettre mon casque, vous allez capter. Vous pensez, ouais, vous pensez que je vais mettre combien de try à mettre? Et combien de try pour le front flip là? Et combien de try pour le front flip après j'arrive? Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars. Là, on se retrouve pour mon backflip drop. Ok les gars, c'est le moment. Vous êtes venus sur cette vidéo pour ce moment là. Donc là, je vous explique ce qui va se passer. Je mets le casque, bien évidemment. Je fais un tatage, je fais un saut. Je cours tâter, tu vois. Sur la flétrice avant, et je fais, ok. Toi, tu prends en bas, chérif? Ouais, oh ouais, let's go, hein. Je te gap, il est pas si haut que ça, donc ça peut passer. Parti, les gars. First try, ok. Les gars. Let's go. À la zup. Ouais, large. Ouais, on risque. Ok, les gars, là, c'est sûr, je pense que. Là, j'ai bien tâté le truc. Je pense que je lance, les gars. Donc, je compte sur vous. Ok, c'est bon. Ça va ou quoi? En fait, je pensais, tu vois, j'avais trop tiré, du coup, j'ai pas tiré. La barre dans le ventre. Ah! Attends, je vais mettre un slow motion sur le fail. Oh, il doit être incroyable. Ok. Bon, les gars, là, ça va mieux. Je vais voir. Je me suis fait un peu mal aux mains, je sais pas si vous voyez. En fait, c'est vraiment genre sur le choc. Tu vois, genre, je pensais que genre, fallait pas trop tirer, tu vois. Et du coup, j'ai pas tiré du tout. Et je sais pas, genre, j'ai atterri comme ça, j'ai pris la part dans le ventre et tout, ça m'a coupé la respiration. Et je lui dis de tirer fort, il pensait que c'était assez gros alors qu'il fallait tirer. Non, non, ah putain, vas-y les gars, là, ce try. Yes! Là les gars, je l'ai mis, je suis refait. Le premier try, j'ai bouffé le sol. Mais c'est pas grave, hein, comme on dit, hein, à la zub. Du coup maintenant les gars, vous avez capté. Moi j'ai fait mon boulot. J'ai annoncé, j'ai parlé. J'ai assumé là gros, j'ai mis le trip, hein. Donc maintenant ça va être à Shérif, hein. Il a dit Indie Flip. Shérif, il va faire Indie Flip les gars. Donc là, on se retrouve pour les tries de Shérif qui fait Indie Flip sur le spot juste derrière moi là. Et n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le backflip si vous a plu, vraiment. J'ai fait une belle chute quand même. J'espère que vous aurez plu aussi la chute. Moi, non, mais... Allez. Bon, les gars, Shérif, t'es prêt ou pas? Toujours. Dites-vous bien que là, si je le plaque, le Indie Flip, là, déjà, dites-vous bien que le Indie Flip Whip, à 1500 likes, il sera posté dans une prochaine vidéo YouTube. Vous verrez. Les gars, il a annoncé. Voyez, là, tu te sens confiant, là, ou pas, là? Là, je fais Indie Flip normal et ouais. Vas-y, les gars, premier try. On se retrouve pour le premier try. Sécurité avant tout les gars, bien sûr le casque, hein. Même Shérif, on sait jamais, hein. Toujours les gars, le casque, quand vous roulez, hyper important, mettez le casque. Ça tâte là, oh. Ça tâte, ouais. Yo! Oh la vie de ma mère! Oh elle a failli atterrir sur moi la trotte! Oh à pied les gars! Oh si jamais là-dedans. J'ai entendu une dinguerie là. Dis si jamais là-dedans. Oh la vie de ma mère. Oh. Une réaction s'il vous plaît. Je suis trop fort, ok merci. Oh. Allez là. Il va le mettre madame ou pas? Elle a dit il va le mettre. Si réussit son acrobatie, Flip, ouais. Vous mettez un pouce bleu sur la vidéo. Les gars, vous mettez le pouce bleu sur la vidéo les gars. Sur la vidéo le pouce bleu les gars. Elle a parlé. Oh c'est la mère génie. Oh. Oh le Yo. Voilà mon gars. Voilà mon gars. Attends, on regarde le clip les gars sur l'iPhone. Ça a des clips dans l'iPhone. Incroyable frérot. Un mot à dire. Perfect. Et les gars, comme Tati Josine vous a dit, 1500 likes sur la vidéo. Hein. C'est elle qui l'a dit. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à passer sur l'Insta de Mogli Scooters, juste ici. Shérif Kailish, Raf Scooters, comme. Et sur le mien, bien sûr, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu comme la tante Joseline vous l'a dit.
Sheriff il a mis du flip pour atteindre Josine. Donc en tous les cas, vous êtes obligés les gars, vous êtes obligés. Donc voilà, du coup nous on se redit pour une prochaine vidéo. C'était Camille Scooters, ciao.